La CEDEAO lève les plus lourdes sanctions contre le Niger. Les chefs d'État des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunis ce samedi 24 février à Abuja, ont décidé la levée d'une grande partie des sanctions contre Niamey. La CEDEAO a décidé de lever avec effet immédiat les plus lourdes sanctions imposées au Niger depuis la prise du pouvoir à Niamey du régime militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet, a annoncé Omar Alieu Touré, le président de la commission de la CEDEAO, samedi après-midi. Les frontières et l'espace aérien nigérien seront rouverts, les transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger de nouveau autorisées, et les avoirs de l'État nigérien dégelés, pour des raisons humanitaires, a-t-il déclaré. Des sanctions individuelles et politiques restent en place, a-t-il ajouté sans donner plus de précisions. Le Burkina Faso et la Guinée, également dirigés par des régimes militaires et sous le coup de sanctions de la CEDEAO, ne sont pas concernés par ces annonces. L'organisation sous-régionale avait convoqué samedi un nouveau sommet extraordinaire afin de discuter de la politique, la paix et la sécurité dans la République du Niger, a-t-elle annoncé la veille dans un communiqué, ainsi que les récents développements dans la région. Mi-février, le chef du régime militaire nigérien, le général Abdourahman Tiani, a évoqué la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali, comme une étape de sortie de la colonisation. L'annonce du retrait burkinabé, nigérien et malien de la CEDEAO, suscite l'inquiétude de centaines de milliers de ressortissants des trois pays, particuliers ou commerçants. La CEDEAO garantit en effet aux citoyens des 15 pays membres de pouvoir voyager sans visa et de s'établir dans les pays membres pour y travailler ou y résider. Que pensez-vous de la décision de la CEDEAO de lever les sanctions contre le Niger? Est-ce une action nécessaire pour favoriser la stabilité ou un précédent dangereux pour la démocratie en Afrique de l'Ouest? Exprimez-vous ci-dessous et participez à la conversation. À très bientôt.